Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des Focus. Après le gros horloge, on s'attaque aujourd'hui à la cathédrale Notre-Dame de Rouen. On va zoomer ensemble sur un détail pas si petit que ça, la flèche. Vous êtes prêts à devenir incollables sur son histoire? Et bah c'est parti, suivez la guide! La flèche que l'on aperçoit aujourd'hui sur la cathédrale ne date pas de sa construction qui s'est étendue sur 4 siècles entre le 12e et le 16e siècle. Alors on va faire un petit retour en arrière. Dès la construction de la première cathédrale romane érigée au 11e siècle, on retrouve une pyramide de pierre en guise de flèche. Au 13e siècle, la cathédrale gothique, qui se construit petit à petit, va doter la cathédrale d'une tour lanterne. Alors vous vous demandez peut-être c'est quoi une tour lanterne? Explication. Il faut savoir qu'à la croisée des transepts, là où toutes les toitures convergent, c'est habituellement l'endroit le plus sombre. Mais les bâtisseurs normands vont très tôt avoir une idée pour éclairer ça. Ils vont construire une tour percée de fenêtres qui va donc créer un puits de lumière. C'est ça une tour lanterne. Sur cette tour, on va donc ériger une flèche en bois qui était surnommée l'aiguille ou la tour grêle. Mais alors, celle-ci va brûler en 1514. Par la suite, le maître d'œuvre Roland Leroux va surélever la tour lanterne et a un projet de faire une grande pyramide de pierre. Mais celle-ci aurait peut-être été trop lourde pour la structure et en tout cas les frais trop importants, ce qui annule le projet. Pendant une trentaine d'années, on aura donc sur la cathédrale non pas une flèche, mais une sorte de toit en bois qui est représenté sur le livre des fontaines. Finalement, les travaux reprendront enfin et en 1544, on va découvrir une nouvelle flèche. Cette fois-ci, ça sera une flèche en bois, recouverte de plomb doré dans un style renaissant, qui sera surmontée d'une croix et d'un coq. Elle élève alors l'ensemble à 121 mètres de haut. Cette flèche aura une durée de vie plus longue, mais malheureusement, le 15 septembre 1822, à 5h du matin, la foudre s'abat sur la flèche. Elle va donc complètement brûler, et c'est un épisode assez traumatisant pour les Rouennais qui voient à la fois ce bois qui brûle côtoyer le plomb en fusion qui semble vomi par les gargouilles. On va donc avoir besoin d'une nouvelle flèche, ce qui nous amène à celle que l'on connaît aujourd'hui. C'est l'architecte Jean-Antoine Alavoine qui va proposer de réaliser une flèche en fonte dans un style néo-gothique. Ce projet prévoit donc une flèche très haute dans un matériau novateur pour l'époque, ce qui va attirer de nombreuses critiques. Par exemple, Gustave Flaubert va qualifier la flèche de rêve de chaudronnier en délire. Commencée en 1825, les travaux de la flèche vont s'arrêter en 1834 à la mort de l'architecte Alavoine. Le chantier va traîner, va même s'arrêter complètement, mais sera finalement fini en 1876 avec la pose du croix et du coq. La flèche sera complétée en 1884 par la pose de 4 clochetons en cuivre, chacun pesant 27 tonnes, réalisée par le ferronnier rouennais Ferdinand Maroux. Montant à plus de 151 mètres de haut, l'édifice devient alors le plus haut du monde. Et oui, à cette époque-là, il n'y a pas encore la tour Eiffel ou les grands buildings américains. Bon, ça va durer que 4 ans, mais quand même. Elle sera rattrapée en 1880 par la flèche de la cathédrale de Cologne. Aujourd'hui, la flèche de la cathédrale de Rouen reste quand même la plus haute de France et la 4e sur le classement mondial. Devant elle, on retrouve l'église d'Ulm en Allemagne, qui culmine à 161 mètres de haut, suivie de la basilique Notre-Dame de la Paix en Côte d'Ivoire, 158 mètres de haut, et enfin, la cathédrale de Cologne en Allemagne, 157 mètres. Mais les constructeurs de l'époque ne pouvaient pas prévoir comment réagirait le matériau dans le temps, et dès 1939, on s'aperçoit de problèmes sur la flèche. Le problème, c'est que la guerre arrive et va chambouler les projets. En 1944, dans la nuit du 18 au 19 avril, 7 torpilles vont toucher la cathédrale, dont une va endommager très gravement une des 4 piles qui soutiennent la flèche. Elle sera heureusement rapidement renforcée par l'entreprise de Georges Lanfry, ce qui empêchera sa chute. Les années qui vont suivre seront donc plutôt consacrées au projet de sauvegarde de la cathédrale en général, mais ne seront pas concentrées sur la flèche. Il y aura cependant dans les années 70 un ajout, une structure en acier corten à l'intérieur de la flèche pour augmenter sa résistance au vent. Mais 40 ans après, la flèche est dans un état préoccupant, rongée par la corrosion et avec des éléments en fonte qui tombent. Des études pour une restauration seront donc engagées dès 2009 par la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles. Dans un premier temps, on s'attaque au clocheton en cuivre. Celui de l'angle nord-est était notamment tombé pendant la tempête de 99. Les 4 seront restaurés et remis en place en 2013. Au total, 7 ans de travaux sont prévus, dirigés par Richard Duplat, architecte en chef des monuments historiques. Commencé en 2018, les travaux concernent, pour résumer, le déplombage de la peinture mise en place en 1914,
le remplacement des pièces manquantes, la consolidation des pièces fragilisées et l'application d'un traitement anti-corrosion et de la peinture. Concernant la peinture, il y aura deux couleurs. La partie extérieure, en fonte, mais également l'escalier intérieur du projet initial d'Alavoine, seront peints dans la couleur d'origine, c'est-à-dire une sorte de vert de gris bleuté. La structure en acier Corten qui a été rajoutée sera, elle, peinte en brun. On pourra donc identifier clairement les deux époques grâce à ces deux couleurs. La fin des travaux est prévue pour 2024, où les derniers éléments, le coq et la croix, seront redorés à leur fin. Les Rouennais retrouveront donc enfin la flèche imaginée par Alavoine comme neuve, ou presque. Merci à tous de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées ou des envies pour une prochaine vidéo focus. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.